Eh bien salut tout le monde, c'est Lilian31, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour du Mario Kart 8. Et ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé sur le jeu et on va tout défoncer aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que dans ma précédente vidéo sur Mario Kart 8, ça s'est très mal passé, j'ai même pas remporté la coupe, je crois que c'était la coupe étoile ou la coupe... Enfin je sais plus ce que c'était, attendez on va aller voir Grand Prix, on va mettre 200cc, on va aller vérifier. Mais il me semble que je l'ai pas remporté, j'avais terminé 2ème ou 3ème et ça c'était vraiment le drame. Mais aujourd'hui on va rehausser le niveau et vous inquiétez pas, on va aller chercher une petite victoire. Alors je vais jouer qui aujourd'hui? Je veux jouer Koopa. Voilà, on va jouer Koopa puisqu'on va se faire la coupe de la tortue. On va prendre ça. Alors attendez, je vérifie juste. Ah ouais, voilà, c'est ça. On va prendre ça, comme ça on gagne en accélération. Voilà, c'était ça là, la coupe spéciale que je n'ai pas réussi à remporter. Je crois que j'avais terminé 2ème ou 3ème et c'était un vrai carnage à la route arc-en-ciel, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, on va aller sur la première coupe rétro, donc la coupe Carapace. On va jouer des courses qui étaient déjà présentes dans des anciens Mario Kart, qui étaient sur Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Game Boy Advance et Wii, et peut-être 3DS, mais je suis pas sûr. Il me semble que si. Ah si, ouais, BDS. Il y en a un, si je le vois, plage Ship Ship, qui était sur DS. Ok, très bien, allez, on est parti. On va arrêter le blabla et on va aller chercher une victoire, bien sûr. Je vérifie juste que tout fonctionne correctement sur le PC, puisque à vrai dire j'ai quelques problèmes actuellement avec. Il arrête pas de s'éteindre, il freeze en fait. Ça fait un, il freeze quoi. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus bouger la souris, je ne peux plus rien faire. Et malheureusement, ça m'a tué quand même pas mal de vidéos déjà enregistrées. Donc c'est pour ça que vous voyez très peu de vidéos actuellement. Enfin, il y a eu une passe pendant 4 jours, je crois, où j'ai pas posté de vidéo. C'est tout simplement à cause de mon ordinateur qui fait des siennes. Et je pense qu'il va falloir que j'en rachète un d'ici la fin d'année pour être tranquille, parce que si celui-ci me lâche, j'ai plus d'ordinateur et ça serait vraiment le drame. Allez, on appuie et on est parti. Allez mon petit Koopa, on compte sur toi. Par contre, je sais pas si j'ai pris le bon karting. Ok, en 200cc, on anticipe. Ouais Lilian, pour le moment je suis pas dégueulasse. Faut continuer. Oh la carapace verte. Oh, millimétré quoi. Ah mais je suis vraiment trop chaud. Attention, non, je voulais la lancer derrière, j'ai pas réussi et du coup en plus je perds mon carré. Et ça, c'est vraiment dommage. Allez, on va prendre la petite passerelle. Hop, le petit jump pour avoir le petit bonus de vitesse. Par contre, si je passe sur l'herbe, c'est sûr que je vais pas gagner grand-chose. Attention, bébé Mario. Oh là là, bébé Mario. Je sens que tu vas prendre ta déculottée. Non, oh là là. Oh si, oh là là, Lilian. Oh Lilian. Ouais, mais par contre, voilà, si je mange la vache derrière, absolument, ça sert absolument à rien ce que j'ai fait. C'est dommage. Et sachez-le, c'est la 4ème fois que j'essaye de tourner cette vidéo. Les 3 premières fois, eh bien, je n'étais pas tout seul. J'étais avec Manu. On devait la tourner ensemble et malheureusement, le PC, eh bien, n'a pas suivi, n'a pas assumé. Du coup, eh bien, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir finaliser cette vidéo ensemble. Et si je vois que là, ça fonctionne, eh bien, pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, je ferai en sorte d'inviter Manu parce que vous verrez, c'est quand même beaucoup plus fun de jouer à plusieurs à Mario Kart. Et en tout cas, voilà, de jouer un tour chacun, mais dans une meilleure ambiance, quoi. Quand on est plusieurs, l'ambiance est forcément meilleur. Eux, je les défonce, c'est le 3ème tour, comme ça je prends un peu d'avance. Attention le petit ouais, attention, on va garder la carapace, on sait jamais si jamais il y a une carapace rouge qui tombe. Attention Lilian, il y a bébé Mario qui arrive, il y a bébé Mario derrière, il y a bébé Mario. Oui c'est la victoire. Oui, première course, première victoire, on est pas mal. Là franchement, on est pas mal. Surtout que ça avait pas forcément hyper bien commencé. Mais on va aller voir les temps forts quand même. On va aller voir les 2-3 carapaces que j'ai lancées sur mes ennemis, qui étaient vraiment magnifiques. Donc attention Koopa, le petit démarrage. Donc là au départ, voilà, petit tournant, on bouscule nos adversaires. Hop, on dérape. Attendez, c'est où? Ah voilà, c'est là. Oh là là, elle est magnifique. Regardez ça. Regardez ça, la carapace, regardez, il savait même pas qu'elle allait lui tomber dessus, et boum, au final, ça l'a défoncé. Oh là là, attendez, le magnifique dérapage de Koopa. Ah, il est beau gosse, ce dérapage. Il est vraiment beau gosse. La petite banane, ah, et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a mangé. Ah ben toi de qui l'a mangé, certainement sur le 2ème tour. Le petit coup de klaxon qui a fait exploser bébé Mario, et toi en plus de ça. Ah non, c'est même pas toi de, c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle, lui. Ah, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas on l'a défoncé et du coup après voilà, on termine premier. Première course réussite. Et ça, eh bien ça fait plaisir parce que comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes sur Mario Kart 8, d'ailleurs vous avez une petite annotation pour aller voir la playlist, eh bien je vous assure que la course, la coupe spéciale, c'était une catastrophe. C'était très, c'était limite quoi. J'avais envie de prendre le gamepad et de le jeter quoi par la fenêtre ou contre le mur, et ou soit par exemple de faire un frisbee avec. Allez attention, 2, je crois que j'ai un peu accéléré trop tard. Ah non, c'est bon, parfait, c'est passé. On anticipe direct.
Oh là là, je l'aime pas du tout ce circuit. Il est simple en apparence, mais attention, il est pas du tout simple en 200cc. Notamment ce tournant, voilà. Ce tournant, je sais pas comment on peut faire pour le prendre en full dérapage. À chaque fois, je suis obligé de lâcher la touche. Celui-ci, ça va, j'ai compris. J'ai réussi à bien anticiper. Mais par contre, l'autre, celui d'avant, ouais, je n'y arrive pas. En 200cc, c'est vrai que ce tournant-là, je n'y arrive pas. Bon, lui, ça sert à rien, il a des bananes. Si je lui lance ma carapace rouge... Ouais, oh non, je me suis bloqué. Oh, sérieux? Bon, toi tu t'es mangé, allez hop, comme ça c'est toi de qui va prendre ma petite carapace. Voilà mon petit toit. Ouais ouais, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, fallait que la banane elle soit où? En plein milieu de la trajectoire de Lilian. Ça c'était obligé quoi. C'était obligé. Oh sérieux, il me balance une banane lui, encore? C'est une blague. Attention le tournant. Allez, on prend un petit bonus de vitesse. Ouais. On dérape. Oui Lilian, oui. Et ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien fait. C'est très très bien fait. Enfin c'était bien fait, mais là bizarrement. Ah, je crois qu'il y a un endroit où on peut couper le fromage, je sais. Oh là là, il y a tellement de bananes ici. Accélère Lilian. Parfait. Heureusement que j'avais un champignon parce que là sinon j'aurais été vraiment très très mal. Je crois que j'ai mal anticipé ici. Oh là là, l'autre il est deuxième, il a la plante piranha, il est très très bien là. Il est vraiment très très bien lui. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi à le prendre. Ah, ça va être juste. Non, c'est bon. Bébé Mario, il m'a fait rater mon tournant. Oh là là. Oh non, ils m'ont tous poussé. Sérieux? Ah, c'est une blague. Ah, le roquette qui passe derrière. Ouais, je suis obligé de passer là parce qu'il y avait le mode roquette là, je sais pas qui. Oh, j'en ai touché deux. Oh, ça va, je finis sur le podium. Franchement, je me suis très très bien rattrapé à la fin avec le boomerang. Là, j'ai fait un double kill et j'ai obtenu mon colis stratégique. Et derrière, voilà, j'ai terminé troisième. Non, je plaisante bien sûr, mais en tout cas, non, j'ai bien géré là sur le boomerang. J'ai touché deux personnes et... On va laisser le voir quand même, on va laisser le voir ce coup de boomerang parce que vraiment, il était vraiment très très classe. Donc là, le départ, on s'en fout, allez, on s'en fout. C'est vrai que j'ai un petit peu chié. Bon, par contre, je suis content parce que j'ai réussi à prendre la boucle d'en haut, j'ai réussi à la prendre correctement. Allez, Toad. Eh mais Toad, je lui mets cher en fait. Ça fait deux courses, je lui mets, mais hyper cher quoi. Oh là là, Koopa, elle est vraiment... Et franchement, Koopa, je kiffe ce personnage, il est vraiment stylé dans Mario Kart. Metal Mario, qu'est-ce que je lui ai mis à lui? Ah ok, je lui ai mis un petit dérapage. Ah, le boomerang, boum, regardez, on a touché le sbire de Bowser, je sais plus qui c'est. Et Toadette. Ah, pourtant ça passe à côté. Mais on l'a quand même touché, Toadette. On l'a quand même touché. Et derrière, voilà, j'ai réussi à passer devant et du coup, à terminer troisième. Eh, je me suis très très bien rattrapé. Heureusement qu'à la fin j'avais le boomerang. Peut-être que ouais, non, j'aurais pas pu faire mieux. Les deux premiers étaient vraiment très très loin, du coup, non, j'ai vraiment donné le max. D'ailleurs, au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une nouvelle webcam qui normalement est beaucoup plus fluide que la précédente, que la précédente. Du coup, je sais pas si vous le remarquez, si les couleurs sont bonnes et autres. Alors là, c'est vrai qu'après, moi, je suis sous une mezzaline. Du coup, la luminosité n'est pas top. Faudrait que je m'achète une lumière là à mettre dessous. Comme ça, c'est vrai que pour la luminosité, ça serait peut-être un peu mieux. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de la qualité, si elle est plutôt bonne ou pas. J'ai acheté une webcam, la Logitech C920, donc une grosse webcam. Je crois que je l'ai payé 80€. Donc voilà, c'est plutôt du bon matos. Et pour le moment, j'en suis satisfait. Dans l'utilisation que j'en fais, c'est plutôt correct. Ouh là là, il a lancé une carapace rouge à l'arrière. Lui, j'ai eu vraiment de la chance. Le petit Yoshi. Allez, pouf, je te pousse. Je prends le Delta Plane. Petite banane. Oh, oh là 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 là. Et je me suis gavé la banane. Je l'ai lancé, mais devant le pied, quoi. Ah, j'ai vraiment géré. Attention ici. Je sais pas si je suis plus lent en allant dans l'eau ou pas. Ok, non, on peut pas sauter. Je récupère les pièces. Il m'en faut 10. J'en ai que 5 pour le moment. C'est pas le top d'en avoir 5. Le mieux, c'est d'en avoir 10. Comme ça, on est plus rapide. Allez, on le prend ce tournant. Ouais, ça va, j'ai réussi à le prendre plutôt correctement. Je suis premier et j'ai une bonne avance là. En plus, oh, il y a bébé Mario qui a mangé ma carapace verte derrière. C'est parfait. C'est plutôt parfait ça. Et du coup, là, j'ai vraiment une très très bonne avance. Ça me fait 9 pièces. Oh, nice ça, 9 pièces Lilian. 9 pièces, encore une et on ira super vite. On va la prendre ici. Ouais, bien sûr, je suis passé à trop. J'ai esquivé le crabe, mais alors de justesse. Et là, j'ai quand même une très très bonne avance. Normalement, c'est impossible que je termine deuxième ou troisième. Là, j'ai vraiment géré ce début de course. Aïe, ce début de course. Qu'est-ce que je dis, moi? Cette course, tout simplement. Et ça va, là, je me suis bien chié à la fin, mais vu que j'ai une énorme avance, ça ne suffira pas à bébé Mario pour me rattraper, bien sûr. Alors, attendez, je vérifie.
Ok, d'accord. Donc je regardais juste le processeur parce que c'est justement ça qui fait qu'à chaque fois ça plante. Là, il est à 64 degrés, donc pour le moment tout va bien. Tant qu'il dépasse pas les 70, 80, je ne sais pas. J'ai un AMD d'ailleurs pour les connaisseurs, un petit peu un PC. Je crois que j'ai mis ma configuration PC dans la description de la chaîne YouTube, dans à propos, dans l'onglet à propos. Je commence à bugger. J'ai un AMD FX 8350 et ça chauffe quand même ce petit logiciel. Il chauffe, même si j'ai rajouté un ventirateur par dessus quand même, mais c'est vrai qu'il chauffe et c'est peut-être de là que mes frises y viennent. Peut-être le processeur qui surchauffe, ou soit un problème d'alimentation aussi, ça peut être de là. Après moi je suis pas un expert en informatique, du coup je m'y connais pas énormément, mais je pense que c'est les deux sources principales, à moins que la carte graphique déconne aussi, et dans ce cas là ben, ça me reviendrait vraiment très très cher de faire réparer ce petit ordinateur. Ah, le bus. Non, ça va. On l'a esquivé, le bus. Ouh là là, il y en a encore. Oui, putain, mais il y a que des routiers là sur cette autoroute. Qu'est-ce que c'est ça? Par contre, je crois que me souvenir de. Il date de quel. Ce circuit, il vient de quelle console? Il vient pas de GameCube ou Nintendo 64, celui-là? L'autoroute Toad là? Je me souviens qu'à l'époque, j'en avais fait un, autoroute Toad. Je crois que c'était sur Nintendo 64. Mais c'est. Il était pas pareil que celui-ci. Il était peut-être un peu mieux même. Oh là là, on s'envole et tout. Par contre, on a failli atterrir sur un camion. Et ça aurait pas été cool. Attention, parce que toi, justement, est juste derrière moi. On va aller prendre ça. Nice, j'ai touché quelqu'un avec, je sais pas qui. Mais j'ai touché quelqu'un, c'est le principal. Perfect, ça, Lilian, perfect. Attention, la voiture rouge. Ouais, on a bien pris l'intérieur. Oh là là, ce full tournant. Magnifique dérapage. Ouh là là, par contre, ne meurs pas ici, Lilian. Et du coup, on est pas mal là pour le moment. On est pas mal du tout. Attention, voilà, petite banane est déposée. Ah non. Et là pas. Oh là là. C'était chaud. Là, c'était vraiment chaud. Bon, ça va, j'ai une avance énorme. Et je termine premier. Nice ça. Ben, 3 courses sur 4 en finissant premier. Automatiquement, bien sûr, sur le championnat final. Forcément, voilà, sur le total des 4 courses, eh bien, j'ai 55 points. Je suis devant mes ennemis et je remporte cette coupe, ce Grand Prix plutôt Carapace, je crois que c'était Carapace. Hein. Je sais pas, je crois que le nom c'était Carapace, mais je suis pas sûr. Bah, allez, de toute façon, on va vérifier. Il y a le petit temps de chargement et ensuite on va vérifier ça. Je suis désolé si à chaque fois je tourne la tête, c'est que vraiment j'ai peur que l'ordinateur s'arrête, parce que comme je vous le dis, ça fait 4 jours qu'il fait que ça, et du coup j'ai un nombre de vidéos, à chaque fois j'ai essayé de tourner des vidéos et il a pas voulu, voilà, ça a planté en plein milieu et j'ai vraiment cette peur que là, eh bien, ça s'arrête encore. Ouais, c'est ça, c'était la coupe Carapace. Félicitations, coupe à 55 points, le deuxième était à 46. Un nouveau tampon est disponible, publié un message sur Miiverse. Ouais, non, je m'en fous complètement. Elle est belle cette coupe, elle est belle. Et on l'a remporté en plus. Eh bien écoutez, on va terminer cette vidéo par ici. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez le petit bandeau en bas et les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis aussi sur cet épisode. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Quel personnage vous souhaiteriez que je prenne d'ailleurs, pour la prochaine vidéo? Ça pourrait être intéressant, je sais pas encore, j'ai pas choisi encore. Donc n'hésitez pas à me dire voilà le personnage que vous aimeriez voir dans le prochain épisode, dans l'espace commentaire de la vidéo. Merci à tous, amusez-vous bien, portez-vous bien, et ne faites pas de bêtises bien sûr. Allez, bye bye tout le monde.